s'ils ne trouvent pas de travail, c'est de leur faute. Merci. Je souhaite sincèrement que ce congrès soit celui du travail, de la détermination, de la fraternité. Mes chers amis, tous ensemble! Commissaire, bonjour. Delphine Dupré, 20 ans, elle était à la Réunion, apparemment personne ne la connaissait. Bon. Le médecin capitaine des pompiers, commissaire Valence. Bonjour, capitaine. Alors ? On est arrivé à peine 10 minutes après, on a essayé de relancer le cœur. Votre avis ? Impossible à dire. Les gens qui l'ont vu s'écrouler ont eu l'impression qu'elle faisait une crise cardiaque, mais elle me paraît un peu jeune. Ça peut être n'importe quoi, rupture d'anévrisme, accident vasculaire cérébral. Bon, ça va. Je vous donnerai votre rapport à mon adjoint. Qu'est-ce qu'elle avait sur elle ? Une pièce d'identité, un portefeuille avec 50 euros, un trousseau de clé et un portable éteint. Bon. Allez, on y va. Commissaire Monsieur François Courty, secrétaire général du syndicat national ouvrier. Bonjour. Et Monsieur Berthelot, son adjoint. Bonjour. C'est vraiment une catastrophe, commissaire. Vous vous rendez compte, il y a une gamine qui vient de mourir devant mes yeux pendant le meeting. Je sais pas, je comprends pas ce qui s'est passé. On m'a dit que c'était une crise cardiaque, mais bon. Oui, enfin, c'est probablement une mort naturelle. On en saura davantage après l'autopsie. Vous la connaissiez ? Non. Ni l'un ni l'autre. Vous l'aviez jamais vue ? Non. Mais comment on entre dans vos meetings ? On présente pas une invitation, des papiers ? Oui, il y a un filtrage. Il y a un filtrage de sécurité, on fouille les sacs, c'est tout. Bon. Bon, il faudra vérifier tout de même sur vos listes, hein, pour voir si elle ou des gens de sa famille ne figurent pas parmi vos adhérents. D'accord. Puis on se reverra. Merci. Très bien. Tant qu'on n'a pas le résultat d'autopsie, je veux que vous me releviez le plus d'identité possible. Et on travaille sur tous les sujets. Ok. Je viens de recevoir le résultat des analyses toxicologiques. Elle a de la digoxine dans le sang. C'est mortel chez quelqu'un qui n'a pas de problème cardiovasculaire. Je ne l'ai pas remarqué tout de suite, mais en analysant les tissus sous-cutanés, j'ai trouvé une forte concentration du produit. Regardez. C'est... voilà. C'est le coup du parapluie. Du poison, une seringue au bout. C'est fini. C'est connu. Il n'y a qu'une seule piqûre ? Une seule. Combien de temps, d'après vous, entre la piqûre et la mort ? Compte tenu des doses que j'ai trouvées, je dirais entre 1 et 2 minutes maximum. Bon. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Non. Mademoiselle Dupré ? C'est pas possible. Elle était si gentille. Ça me fait de la peine. Je comprends. Vous avez la clé de chez elle ? Oui. S'il vous plaît. Merci. C'est la porte à côté, là ? Oui, c'est là. Tu as jeté un œil ? Il y avait des gens dans l'immeuble qui la connaissaient ou qui la fréquentaient ? Oh non. Elle était assez solitaire. Et de la famille, un petit ami, quelque chose ? Un petit ami, je sais pas, j'ai jamais vu avec un garçon. Récemment, des gens se sont renseignés sur elle ? Non. Bon, allez-y, je vous en prie. Alors, à votre avis, y a rien qui vous choque ? Quelque chose qui a bougé ou...
Bah non, non, je crois pas, mais j'ai jamais fait attention, hein. Bien. Alors et toi, t'as trouvé quelque chose? Ah ouais, plutôt, oui. Une lettre. Convocation devant le juge Terrail dans 3 jours. Intéressant, ça. Bah, tu te renseignes? T'as rien trouvé sur le syndicalisme, la politique? Vous savez si elle militait? Ah ben ça, je sais pas. Pourquoi? Bien, allez, on y va. Bravo. Excusez-moi, commissaire, mais vous êtes sûr que c'est un meurtre? Tout à fait. Piqûre de poison dans le mollet. C'est une seringue au bout d'une canne ou d'un parapluie. Le coup classique. Enfin, pendant le meeting, quoi. Pendant le meeting, vous êtes sûr? Absolument sûr. Ce genre de poison met 2-3 minutes avant d'agir. Donc ça s'est fait pendant le meeting. Mais c'est pas possible, ça. Non, mais tu te rends compte, Paul, de ce qui s'est passé? Et vous avez une piste? Des indices? Bah non, mais je comptais sur vous. C'est pour ça que je suis venu vous voir. Je vous avais dit, d'ailleurs, la dernière fois, essayez de voir un peu, d'enquêter autour de vous. Alors? Ouais. Bah, j'ai cherché dans tous les fichiers, elle n'était pas syndiquée chez nous. Puis j'ai demandé dans tous les bureaux, là, personne ne la connaît ici. Ah mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, il y avait pas que des adhérents, il y avait des sympathisants qui venaient avec leurs amis, il y avait plein de monde. Vous m'aidez pas beaucoup. Bon, et qui était-ce le journaliste qui vous interviewait le soir du meeting, là? C'était Pascal Desforges, hein, c'est ça. Il est venu avec sa chaîne de télé. D'ailleurs, il devait m'interviewer après, en plus. Eh ben, peut-être qu'il a filmé la scène, lui. Vous savez pas? Non. Bon. Bon, ben merci, hein. À bientôt. Mes amis, mes chers amis, tous ensemble! Quand j'ai vu qu'il y avait un problème dans la salle, j'ai demandé à mon opératrice de filmer. C'est juste après. Voilà. Vous voyez, c'est là qu'elle est tombée. On voit clairement une quinzaine de personnes. Après, pour identifier les autres, il faudrait faire des agrandissements. Mais on perd du grain, donc de la qualité. De toute façon, on identifie bien les 15, là. Ouais. Parfait. Oui, j'écoute. Vous avez combien d'exemplaires de cette cassette, là? Hein? Je vais vous demander de me la donner. Et pourquoi? Chez nous, ça s'appelle une pièce à conviction. Ce que vous avez filmé, là, c'était un meurtre. Ah, merde. Commissaire, la procureure veut vous voir. Pourquoi? C'est au sujet de Delphine Dupré. Ah, on y va. Bonjour, commissaire. Bonjour, madame le procureur. Je vous ai demandé de venir, car je sais que vous enquêtez sur le meurtre de Delphine Dupré. Oui, et alors? Alors, j'y viens. L'affaire Karine Lefebvre, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est la jeune femme dont on a retrouvé le corps dans le bois de Meudon la semaine dernière. Oui, tout à fait. Le jour de sa disparition, elle était avec Delphine Dupré, invitée par un certain Koskas dans sa boîte de nuit. Je vous lis la déposition de Delphine Dupré. Koskas nous a invités toutes les deux dans le carré VIP. Il nous a proposé de la cocaïne. Moi, j'ai refusé, mais Karine en a pris. Karine a suivi Koskas et un autre homme que je connaissais pas. Quand j'ai voulu partir, elle était introuvable, alors je suis rentrée toute seule. Et Koskas, c'est le proxénète notoire, là? Oui. Sur le corps de Karine Lefebvre, on a trouvé des traces ADN de Koskas. On l'a incarcéré, mais évidemment, il nie tout en bloc. Et qui l'a interrogé? Le commandant Vecchioni de la CRIM. Il y a quelques jours, une Sandra Solano, ancienne serveuse de Koskas, s'est présentée d'elle-même à la police. Elle a déclaré qu'elle avait vu Koskas, un homme qu'elle ne connaissait pas, et Karine Lefebvre en train de sniffer de la cocaïne. Quand? Le soir du meurtre. Je vais organiser une confrontation entre Koskas, Delphine Dupré et Sandra Solano dans 3 jours. Voici Sandra Solano. C'est mon dernier témoin. Elle est en danger. Je veux que vous la protégiez. Je ferai de mon mieux. Merci. Excusez-moi. Oui. Oui, je vais le recevoir. Merci. Au revoir. Le commandant Vecchioni. Ah.
Très bien, bah, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Excusez-moi, vous pourrez le faire rentrer, s'il vous plaît? Bien sûr. Commandant Vecchioni, balance. Chantez. On vous attend. Dites-moi, il est possible que j'ai besoin de vous. Oui, quel sujet? La petite Dupré. Sans problème, n'hésitez pas. Merci. Directeur, je vous remercie de votre assistance. Je vous en prie. Je vais abuser un peu en vous demandant si on peut occuper votre bureau. Mais je vous le laisse. Merci infiniment. Est-ce que toutes les chambres de l'étage sont neutralisées? Toutes. Vous êtes certain, hein? Certain. Merci. Je vous en prie. À bientôt. Bon, on doit assurer la sécurité de Sandra Solano. Elle doit être confrontée à un suspect dans quelques jours. C'est une mission difficile. Elle est en danger, ils veulent la tuer. J'en suis certain. Personne ne sait où on se trouve. Par conséquent, avec un peu de vigilance et beaucoup de rigueur, on devrait arriver à la protéger. Je vous demande d'être très sérieux, très attentif. Pas de questions? Si. Elle est prévue pour quand, la confrontation? Dans 3 jours. Trois jours? Oui, dans 3 jours. Voilà. Je sais que c'est long, ça va vous demander d'autant plus de concentration. Pas d'autres questions? Comment on s'organise? Martine, t'assures la planque dans la voiture devant l'hôtel. D'accord. Toi, tu me garantis le hall avec 2-3 gars. OK. Et toi, tu vas avec Delmas dans la chambre de la petite. OK. Allez. Et puis on se branche. Ok. C'est très courageux, Sandra, d'accepter cette confrontation. Sans elle, vous savez, il y a peu de chances qu'on arrive à confondre Koskas. Vous savez, commissaire, j'ai qu'une envie, c'est que l'assassin de Delphine soit puni. Je vous comprends. Mais on vous protège parce que, en attendant, lui et sa bande vont tout faire pour que cette confrontation n'ait pas lieu. Vous êtes consciente que votre vie est en danger. Je sais. Je les connais bien. Je sais de quoi ils sont capables. Il va donc falloir accepter toutes les contraintes de cette mission. Ça va être dur, ça va être long, 3 jours et 3 nuits. Mais je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi, commissaire. Allez, courage, c'est bien. Commissaire, j'ai une petite faim. Ah, ça, c'est une bonne maladie. Bon, je fais ce qu'il faut. Juju, une margarita pour moi. Oh, c'est pas un séminaire gastronomique. Tu m'agrandis ça, hein? Tu me fais un tirage lisible si possible. D'accord. Et vite fait. Je vous le fais pour demain? Non, tu me le fais pour ce soir. La commande de monsieur. Ah. Dis donc, t'es bien branché là? Tout le temps. Julie de Martine. Julie de Martine. Julie de Martine. Oh non, non, mais ça. Merci la technique. Hein. Oh. Hey, ma pile fait la gueule. Merde. On va chercher une là-haut. Il a pris mon flingue!
à tous de Julie. Il y a un type armé qui descend, il est dans les escaliers. Vous n'avez pas entendu, vous? Bloquez-moi la sortie. Toi, bloque-moi l'ascenseur, je prends l'escalier. Ok, Delmas, t'as reçu? Reçu. Très bien, tu bouges pas de la chambre, hein? Ok. Je comprends pas. Alors explique-moi comment ça s'est passé. Je sais pas, il m'est tombé dessus, je sortais de l'ascenseur. J'ai rien pu faire. Tu l'as vu? Non, il avait une cagoule. 1m80, mince. Il t'a parlé? Ouais, enfin deux mots, il m'a dit d'avancer, il a une voix grave. Pas d'accent. Donc t'as rien vu, tu peux pas le décrire? Rien vu. C'est quand même incroyable. Vous pouvez me dire comment il s'est retrouvé ici? C'est incompréhensible, patron. On était tous au taquet à nos postes, je sais pas comment il a fait pour se retrouver dans l'ascenseur. C'est incroyable, ça. Parce qu'on sait pas non plus comment il a fait pour savoir qu'on était là. Ça? Bon, commissaire. Oui. Je sais ce qui s'est passé. Eh ben, tant mieux. Parce que cet abruti directeur nous a pas dit qu'il y avait une porte qui menait directement en cuisine. Il y est passé, il s'est fait passer pour un fournisseur. Ça m'explique toujours pas comment il a su qu'on était dans cet hôtel. Comment vous expliquez ça? Bon, on verra demain matin. Tout le monde à 8h dans mon bureau. Allez, venez. Oui, salut Max, c'est Valence. J'ai besoin que tu rentres service. T'es chez toi, là? Oui. Tu es seul? Bon, je passe te voir, alors. Allez. À tout de suite. On va où? On va à l'abri. Tu veux boire quelque chose? Merci. Tu sais que t'as du mal de m'avoir trouvé là. Dans 3 jours, je repars à Collioure. Réunion des anciens du commando. Il y en a qui sont fidèles à leur passé. Oh, j'ai pas le temps, mais tu les salueras pour moi. Ouais, j'ai pigé ce que tu voulais, sinon. Hé, la petite, là. Faut être gentille. D'accord? T'as pas l'air d'être traumatisé par la situation, hein. Mais vous voudriez quoi? Que je pique une crise de nerfs? Que je me roule par terre? Oui. Papa, c'est moi. Qu'est-ce que tu fous, là? Ça fait un quart d'heure que je t'attends devant le théâtre. Oh, excuse-moi, chérie. Allez, j'arrive, ma fille. Bon, je repasse demain matin. S'il y a quoi que ce soit, tu me préviens, hein? Pas de problème. Et vous faites attention, vous, hein? Tu lui prends son téléphone et tu le coupes. Excusez-moi, commissaire. Mais je pourrais savoir qui est ce monsieur? Ça, c'est Max, un ami qui vous veut du bien. Max. C'est ça. Et vous écoutez quoi? Vous n'aimeriez pas. Mais qu'est-ce que tu me racontes, là? Je m'en tape de savoir que le flic s'est tiré avec la fille. Tu peux leur dire que s'ils se démerdent pas à me faire sortir de la rapidos, je les fais plonger tous les deux avec moi. Il ne reste qu'une journée. C'est l'heure qu'on se casse. Regarde bien ça. Ça va au bar, tu t'en sors? Ça va, t'inquiète pas. Belle Marianne, vous dormirez tranquille. Le cœur de Célio est à une autre, et ce n'est plus sous vos fenêtres qu'il donnera ses sérénades. Camille, oui. Vous êtes en retard. Ben oui, merci. Quel dommage et quel grand malheur de ne pas avoir pu partager un amour comme celui-là. Voyez comme le hasard me contrarie, moi qui allais l'aimer. En vérité. Oui. Sur mon âme. Ce soir ou demain matin, dimanche au plus tard, je lui appartenais. Qui pourrait ne pas réussir avec un ambassadeur tel que vous? Raillez. Raillez, nous ne vous craignons plus.
Ah. Ça va? Moi, j'aime beaucoup ce que vous faites. Moi, j'ai cru que tu allais pas venir. Mais tu plaisantes, t'as été comme ça. C'est cool. Ah, vraiment? Bonjour. Ah, je suis Anne Dobertas, la directrice du cours. Je vous ai vu tout à l'heure. Hé, là, hein, vous pouvez pas dire. Vous avez la future à Jenny, hein. Ah, elle est géniale. Tu te rends pas compte, t'as été géniale. Elle est géniale. Ah oui, elle est très douée. Mais pour Adjani, il faudra travailler encore un petit peu. Ça, je sais. Peut-être, mais enfin, c'est déjà drôlement bien parti. Hein. Quand on connaît les résultats? Dans une semaine. Le niveau est très élevé. Hein. Ah oui, mais enfin... Excusez-moi. Bonne chance, Camille. Merci. Ravie de vous avoir rencontré. Oui, moi aussi. Au revoir. Hé, hey, t'arrêtes de mater comme ça? Non, mais viens, viens. Comment ça, mater? Mais tu crois que j'ai pas vu avec ma prof? Tu pourrais savoir ce que tu veux, tu me reproches toujours de ne pas avoir refait ma vie. Ouais, t'en es déjà là, toi. Tu l'as vu deux secondes, arrête. Je dis pas que j'en suis là, mais c'est pour dire, quoi. Ouais. Oh, Bart, t'es sûr que tout va bien? Bah oui, ça va, pourquoi tu me demandes ça? Parce que je commence à te connaître. Tu m'as rien dit sur mon saumon tandoori? Il est bon, ton saumon. Et le vin? Tu l'as bien choisi, le vin, ou pas? Oui, tu l'as bien choisi. Bart, tu me dis ce qui te travaille un peu, oui? C'est la mission de protection dont on était chargé. Oui, t'as des problèmes? On peut dire ça comme ça. On a essayé de buter notre témoin cet après-midi. Oh non. Attends, tu veux dire une tentative de meurtre? Le problème, c'est que personne ne savait où on était, et un de nous en a parlé à quelqu'un, probablement. Tu penses à moi, là? Non, mais... Je réfléchis à toutes les possibilités. On s'est parlé cet après-midi, je t'ai dit que j'étais à l'hôtel. Attends, tu me soupçonnes, là, moi? J'ai pas dit ça. Tu me demandes si ça va pas, je te réponds. Putain, une de mes collègues a failli se faire buter. Mais tu crois que je suis capable de ça? D'aller raconter de... Mais quoi? Et à qui? De toute façon, je suis au courant de rien. Bon, écoute, ça va, laisse tomber. Vaut mieux que je parte. Toucher à la femme des autres. Tout va bien? Bon. Et Sandra? Elle dort. Bon. Je passe en fin de matinée, hein? Ok? Bon, vous venez? Allez où? Où est Bart? Ouais, il devrait pas tarder. Elle appelle-le. Ah, j'ai déjà essayé, il est sur messagerie. Ah, à propos de messagerie, il y a la procureure qui essaie de vous joindre. Ouais, je sais, j'ai deux messages sur mon répondeur. Hein? Et si elle rappelle, qu'est-ce que je dis? Bah que tu m'as pas vu. Bon, alors je vous écoute. Bah, racontez-moi. Vous dépêchez pas, surtout, vous battez pas. On a vérifié, apparemment, on était bien les seuls à connaître la planque à l'hôtel. Oui, ça, je le savais. Aucun d'entre nous n'a parlé à qui que ce soit, hein. Même pour Galici, comme vous nous l'aviez demandé, d'ailleurs. Excusez-moi. Et si t'arrives? Deux types, hier soir, ils ont voulu mon portefeuille. Eh ben, dis donc, ils t'ont arrangé. Ça s'est passé où? Dans la rue. Bah, dans la rue où? Bah, j'allais à ma voiture. T'as porté plainte?
Bah, ils m'ont rien piqué, et puis de toute façon, franchement, je crois que je pourrais pas les reconnaître. Avec la tronche qu'ils t'ont fait, tu pourrais avoir envie de les retrouver, quand même. Ouais, peut-être, ouais. Et Sandra, elle est où? Sandra restera planquée tant que j'aurai pas compris comment ce type nous a localisés. Je veux prendre aucun risque. C'est Koskas qui est derrière tout ça, c'est évident. Vous voulez pas qu'on aille lui rendre une petite visite? Bien sûr, on n'a aucune preuve. Et sans preuve, si on va le voir autre, il va nous rire au nez. J'ai vos tirages, commissaire. Combien ça fait de témoins? 15. Tout ce qui était autour de Delphine Dupré quand elle est morte. On a relevé une cinquantaine d'identités sur place. On les convoque tous? Et comment? Et vous voulez passer au grill? Ah, vous diffusez la photo de Koskas à chacun d'entre eux. Je veux voir comment ils réagissent. Allez, on y va. Marc, tu restes avec moi, on va au syndicat. Bon, tu vas me dire ce qui s'est passé parce que je crois pas un mot de ton histoire. Hein. Allez, raconte. Bah, quand je suis sorti chez ma copine hier soir, les deux types qui m'ont alpagué, ils en voulaient pas à mon fric. Ils m'ont simplement dit qu'il fallait pas que je touche à ce qui m'appartenait pas. Tu parlais de quoi? Bah, de la nana avec qui j'étais, mais moi je savais pas qu'elle était avec quelqu'un d'autre, elle m'a rien dit. Vous êtes pressé? Éteignez-moi ça. Qu'est-ce qu'elle fait comme boulot? Elle est mannequin. Mannequin? Si, si, je vous assure, j'ai vu son book. Elle s'appelle Paulina Ruiz, elle est brésilienne. Mannequin brésilienne. Tu te fous pas de ma gueule un peu, non? Non, non, c'est la vérité, commissaire. Tu parles. Et c'est en feuilletant le book que t'as eu la bonne inspiration de lui parler de la mission? Je vous assure, commissaire, que j'ai pas déconné, sinon je vous l'aurais dit. Vous avez ma parole que je lui ai rien dit, elle ne sait rien. T'habites où, le mannequin? Rue Nicolo. Et on va y aller. Paulina, je suis le commissaire Valence, je suis avec le capitaine Barthes. Ouvrez, s'il vous plaît. Paulina, ouvre, c'est moi. Pour la dernière fois, ouvrez. Hier soir, après que tu sois parti, il est venu. Il m'a frappé. Il m'a dit qu'il s'était déjà occupé de toi et de mon flic, il m'a dit, et que si je continuais à te voir, il te ferait encore plus de mal. Je lui ai dit que je te reverrais plus. Ça va aller. Je vais lui casser la gueule à celui-là. Il s'appelle Godard. Joseph Godard. Il est restaurateur. Godard, c'est celui de la rue d'Artois? Restaurant La Villa? Oui, c'est ça. Vous le connaissez? Tout le monde connaît. C'est un lieu branché. Paulina, est-ce que Bart vous a parlé de la mission sur laquelle on travaille? Oui. Enfin, non. Non, pas vraiment. Vous en avez parlé à quelqu'un? À Godard, par exemple? Non, non. Non, pas du tout. Justement, on s'est engueulé à cause de ça hier soir. J'ai dit à personne. Ni à lui, ni à personne, je te jure, pardon. Bon, enfin, c'est quoi cette mission? Qu'est-ce que vous protégez, le pape ou quoi? Bon, tu l'emmènes. Vous déposez plainte tous les deux pour coups et blessures volontaires. Delma, c'est moi. Dis-moi, regarde un peu dans nos fichiers si on a quelque chose sur un certain Godard. Oui, tu sais, celui du resto, la villa, là. Ouais, il me semble qu'on l'a accroché il y a quelque temps sur un truc, là. Hein, tu regardes? Ok, merci. Non, mais tu te rends compte? Une mort pendant un de nos meetings. On n'avait vraiment pas besoin de ça, hein. Enfin, c'était vraiment pas le moment. Ça aurait pu se passer n'importe où. Ça aurait pu se passer dans un parking, ça aurait pu se passer dans la rue. En plus, on la connaissait même pas. C'est vrai, elle est même pas syndiquée. Ah, quand même.
Bonjour, mademoiselle. Je m'appelle le commissaire Valence. Je voudrais voir Monsieur Courty, s'il vous plaît. Monsieur Courty, hein. Oui, il est en réunion pour le moment. Ah, et où ça? Ici. Bon, merci. Oui, mais attendez, c'est pas... Pas la peine. Attendez. Non, mais laissez, ça va, merci. Non, mais s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Excuse-moi. Je suis désolée, j'ai vraiment rien pu faire. Non, mais c'est pas grave. Bonjour. C'est pas grave, Isabelle. Bonjour, bonjour, monsieur le commissaire. Excusez-moi, monsieur le commissaire, mais en fait, là, on est en pleine réunion. Oui, mais j'ai des questions à vous poser. Ah bon? Oui. Très bien. Bon, bah écoutez, on va se revoir tout à l'heure, hein? Dans 10 minutes, on dit ça à peu près. Non, 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 au contraire, restez. Non, ça tombe très bien. Bah, je pense qu'ici, on peut tout se dire. Ah oui. Il n'y a pas de secret. Ah, ici, tout est transparent. Non, parce que j'ai du nouveau au sujet de la mort de Delphine Dupré. Ah bon? Tiens, Franck, fais passer la photo de monsieur Koskas. Voilà, dites-moi si ce visage vous dit quelque chose, s'il vous plaît. C'est qui? Probablement le commanditaire du meurtre. Il devait être mis en cause demain dans une confrontation, justement, avec Delphine Dupré. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi on l'a tué pendant notre meeting? Mais pour te foutre dans la merde, Daniel. Je te l'avais dit. Et pourquoi on ferait ça? Non, c'est peut-être une idée en l'air, hein, mais depuis un certain temps, on n'arrête pas de nous foutre des bâtons dans les roues. Alors, Daniel commence à faire de l'ombre à pas mal de gens. Hein. Mais vous savez que... Je me demande s'il n'y a pas un rapport, quand même, entre Delphine Dupré et vous. Moi? Oui, vous la connaissez pas? Non. Vous l'avez jamais vue? Je l'ai jamais vue. Pendant le meeting, on a filmé une partie de la foule qui se trouvait juste autour de la victime. Tiens, si tu peux passer, Franck, les photos. Regardez si ça vous dit quelque chose, si ça vous rappelle un souvenir ou si ça vous suggère... Non? Non, moi, ça me dit rien du tout. Mais regardez les photos avant de me dire non. Je vois pas qui c'est. Bon, bah, enfin, écoutez, vous les regarderez tranquillement, hein, vous les regarderez bien, vous essayez de vous souvenir, et puis, bah, je repasserai pour que vous me disiez ce que vous en pensez. OK? Vous passez quand vous voulez, de toute façon, monsieur. Oui, oui, bah, ce soir. Tiens, appelle-moi Delmas. J'espère qu'il a du nouveau. Oui, Delmas, Franck. Le commissaire peut parler, s'il te plaît. Oui, Delmas. Alors? Bon, j'ai la fiche de Godard sous les yeux. Il y a 5 ans, il a purgé une peine de prison à Fleury-Mérogis pour trafic de stupes. Et devinez quoi? Koskas était avec lui. Gagné. Ouais. Bart est là? À côté, dans un bureau, une déposition. Bon, dis-lui d'aller choper Godard à son restaurant et on le rejoint. Le commissaire, c'est Bart. Moi, je suis arrivé au resto et j'ai bien trouvé Godard. Il est mort. Il est où? Dans les cuisines, là. Ok. Oui. Oui. Et aussi pour des raisons de sécurité. Oui, ce matin. Oui. Vous avez pas votre service à quelle heure? À 11h30. Vous n'avez rien remarqué dessus? Non. Voilà. On l'a trouvé la tête plongée dans l'eau bouillante. T'es sûr que maintenant, il pourra plus rien nous balancer? À mon avis, ça vient d'arriver. Ben, dis donc. On a dû rater l'assassin de peu. On a prévenu l'identité judiciaire? C'est fait. Bon. Il devait savoir des choses sur Koskas, lui, hein? Oui. Oui, ils l'ont trouvé un peu trop dur à cuire. Au fait, où est ta fiancée? J'ai déposé chez elle en arrivant ici. Eh ben, tu te chargeras de l'informer. D'accord. Commissaire, un dénommé Max a essayé de vous joindre. Bon, je vais l'appeler. Oui, Max, c'est Valence. Tu m'as appelé? Merde. Bon, j'arrive. La balle est rentrée par là, elle a été se fichée dans le mur en face. Du 556. À mon avis, ton type, il était planqué sur le toit en face. Alors, qui es-tu? Pardon? Pardon, on était 3 à savoir où on était là. Toi, lui et moi. Alors, dis-moi qui tu es. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac, là? Vide-le. Vide-le!
Je dois devenir sourd, j'entends rien. T'entendais quelque chose, toi? C'est quoi, ça? Je sais pas. Tu sais pas ce que c'est? Ça s'appelle une balise GPS. Tu vois? Et c'est le modèle utilisé par la police. Alors maintenant, tu viens me dire qui tu es. Je m'appelle pas Sandra Solano. Ça, je m'en doutais. Vous vous souvenez de Jean-Daniel Spack, le commandant de la crime qui a disparu l'an dernier? Oui, je m'en souviens, et alors? Alors? Je suis lieutenant de police et je m'appelle Aline Spack. C'était mon père. Mais je vois pas le rapport avec l'affaire Koskas. Il enquêtait sur la disparition de Karine Lefebvre. Et je suis sûre que c'est Koskas qui l'a fait tuer. Je suis en réunion, commissaire. Je suis désolé. Bon, on continuera cette discussion un peu plus tard, voulez-vous? Asseyez-vous, commissaire. Je vois que vous êtes au courant. Je suppose que le lieutenant Spack vous a déjà raconté. Vous savez donc qu'elle ne croit pas à la thèse de la disparition volontaire et qu'elle est persuadée que c'est Antoine Koskas qui a fait disparaître son père et Karine Lefebvre. En effet. Mademoiselle Spack est venue me voir pour me proposer de prendre la place du deuxième témoin afin de démasquer l'assassin. J'ai accepté sa proposition. Malgré tout le respect que je vous dois, je trouve cette idée saugrenue, ridicule et dangereuse. Vous exposez cette fille à un danger incroyable. Commissaire, je vous garantis que ça va marcher. Écoutez-moi, c'est pas à vous de mesurer les risques d'une opération pareille. En prenant la place de Sandra, j'évitais qu'elle se fasse tuer. Et qui vous renseignait sur... informations de la balise? Le capitaine de Ruelle du 36. De Ruelle? Qui est-ce? C'est un très grand flic que je connais depuis fort longtemps et en qui j'ai toute confiance. Et qui s'occupe du vrai témoin, Sandra Solano? Elle est gardée par le GIGN, elle ne craint rien. Bon, bah écoutez, si elle craint rien et que vous estimez cette mission sans risque, permettez-moi de me retirer. Pardon? Je n'ai pas l'habitude de rester dans des opérations dans lesquelles je ne crois pas. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous proposez? De gérer l'affaire, entièrement. Que vous preniez le GIGN de me confier Solano. Attendez, et moi, qu'est-ce que je deviens dans tout ça? Vous? Je vous en prie, commissaire, gardez-moi dans cette mission. Il s'agit de mon père, vous comprenez, c'est très important pour moi. Allez. Comment s'appelait le flic qui travaillait avec ton père? Christian Vecchioni. Appelle-le, dis-lui que je veux le voir. Ouais. Bonjour, messieurs. Comment ça va? Bonjour, commissaire. Salut. Je ne vais pas en ce moment. Non. Combien là, hein? Là, j'en ai 8, dont 7 pour des affaires de stup. Tu sais pourquoi je suis venu le voir? Ouais. Deux secondes, j'ai une affaire en cours. Voilà. Bon, alors, ton suspect, tu l'as entre le 50 et le 60 avenue Saint-Marcel. Ok. Dis, c'est toi qui surveille la balise de la petite Aline? Moi et trois autres. Tu peux me dire qui? Ouais. Gérard, le cahier, s'il te plaît. Merci. Alors, ces trois derniers jours, vous avez Thibault, Duval et Walter. Tu les connais? Je connais, oui, c'est des collègues. À qui vous donniez les positions? À la procureure Mazière. Uniquement, personne d'autre? Et personne n'a essayé de savoir en dehors de Mazière? Par ma connaissance. Qui peut avoir accès à la salle? Tous ceux qui ont la carte, quoi. Donc je te gaule ta carte, je viens ici, je signe et c'est bon. C'est possible. Je suis avancé, quoi. Oui. Oui, Christian. Ok, à tout de suite. Christian Vecchioni, on a rendez-vous au bistrot dans la cour. Eh ben, on va le voir. Allez, bonne continuation. Merci. Tu dis à tes trois collègues que je vais les voir. Ça marche. C'est pas urgent, hein, dans la journée. Comme d'habitude. Ça marche.
Très gérable. Salut. Bonjour, Aline. Bonjour. Je te présente le commissaire Valence, la première DPJ. Ouais, on s'est vu hier chez Mazière. Oui. Toi, tu me dois des explications. S'il vous plaît, je vais prendre un autre café. D'accord, monsieur. Pareil. Madame. Une eau minérale, s'il vous plaît. Très bien. C'est n'importe quoi, Aline. Aller faire la chèvre? T'es inconsciente ou quoi? Tu connaissais mon père. Tu sais très bien qu'il a pas pu disparaître volontairement. Aline, je t'ai déjà dit ce qu'on avait fait. S'il y avait eu la moindre piste, on serait allé au bout. Vous pouvez me raconter comment ça s'est passé? Spock et moi, on devait faire le point sur la disparition de la fille Lefebvre. Et on avait décidé d'aller chercher Koska pour l'interroger. Et son père n'est pas venu au rendez-vous. J'arrivais pas à le joindre, alors. J'ai filé chez lui, j'ai défoncé sa porte, et là, plus rien. J'ai rien retrouvé. Ni passeport, ni carte de crédit, rien. Et vous l'avez cherché combien de temps? 3 mois. Vous avez mis ses comptes bancaires et son téléphone en surveillance? Bien sûr. Aucun mouvement d'argent, aucun appel. Pour Karine Lefebvre, vous êtes sûr que l'assassin, c'est Koskas? Oui, on a retrouvé ses cheveux dans le coffre de sa voiture. Et on a 2 témoins. Enfin, on n'en a plus qu'un. Delphine Dupré, vous avez une idée sur l'assassin? Non. Bon, ben je vais vous laisser. De toute façon, on se reverra. Au fait, la proc m'a averti que vous étiez chargé de la sécurité de Sandra Solano. Oui, pourquoi? Bah, c'est quand même moi qui me suis occupé du dossier Koskas. J'aurais bien voulu être tenu au courant. Bah, vous verrez avec elle. Allô, Bart. Oui. Où vous en êtes? On vient d'arriver, là. Et la petite Solano? Moi, je sais pas, j'ai pas eu le temps de discuter avec elle encore. On a des nouvelles des photos qu'on a laissées au syndicat? Non, aucune. Vous dites-lui qu'il se manque, parce que j'en ai besoin. Ok, très bien, attendez. Merci, monsieur. Au revoir. Sandra, le commissaire Valence ne va pas tarder. Comment ça, trompé de cible? C'était pas Sandra? Il se fout de ma gueule ou quoi? Je m'en fous. Il fait comme il veut, mais il fait vite. C'est ça. À demain, mon bébé. Moi, à l'hôpital? Mais qu'est-ce qu'elle a eu? Oh, mais rien, rien de grave, t'inquiète pas, chérie. Elle m'envoie te chercher, elle veut te voir. Mais je vous connais pas, vous êtes qui? Bon, enfin, Laurent, je suis Valérie, la maman de Julie. On faisait des courses quand elle a eu son malaise. Allez, viens vite, grave. Voilà. Ça va? Allô? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Non mais, attendez! Attendez! Qu'est-ce que c'est? C'est Sandra. Non, non, non. Rien à voir. Pendant combien de temps vous avez travaillé chez Koskas? 3 mois. Et vous en êtes parti pourquoi? J'avais peur. Peur? Depuis la disparition de cette Karine, monsieur Koskas était très nerveux. Puis il y a eu le fameux soir avec les 2 policiers. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Un vendredi soir, on venait de fermer. J'allais à ma voiture quand ils se sont garés.
Et c'était une voiture de police? Oui, il y avait un gyrophare posé sur le tableau de bord. Je me suis aperçue que j'avais oublié mon portable, alors je suis retournée au club pour le récupérer. C'est à ce moment-là que j'ai entendu une engueulade qui venait du bureau. Vous vous souvenez de ce qu'ils se sont dit? Non, j'ai pas cherché à savoir, ça me regarde pas. J'ai récupéré mon portable et je suis ressortie. Sandra, regarde cette photo. Est-ce que c'est un des deux policiers que t'as vu? Je sais pas. Je suis pas sûre. Je les ai pas bien vus, ils faisaient nuit. Vous avez eu l'occasion de parler de ça avec quelqu'un d'autre qu'avec nous? Non, à personne. Commissaire, la ligne de recherche concernant Sandra Solano a été diffusée dans tous les commissariats. Ça doit être ma mère. Je dîne avec elle tous les mardis. Je suis pas allée mardi dernier, elle doit être morte d'inquiétude. Passe-lui ton téléphone. Appelez-la et rassurez-la. Merci. Oui? C'est Sandra, passe-moi maman. Sandra. Maman, c'est moi, c'est Sandra. Mais maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Sandra, où est-ce que tu es? Est-ce que tu es toute seule? Je peux te parler? Je suis avec le commissaire Valence. Ne lui dis rien. Laurent a été kidnappé. Quoi? Quoi? Surtout, ne lui dis rien. Ils veulent t'empêcher de témoigner. Si on prévient la police, ils disent qu'ils vont tuer Laurent. Sandra, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu as fait? T'inquiète pas, maman, t'inquiète pas, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? C'est trop grave, commissaire. Il faut que vous m'emmeniez chez ma mère tout de suite. Mais dites-moi ce qui se passe. Laurent, mon petit frère, ils l'ont enlevé pour m'empêcher de témoigner. Ils ont dit que si je parlais à la police, ils le tueraient. Vous avez bien fait de me parler. Faites-moi confiance. On va aller le chercher. Restez tous les deux en plante ici. Maman! Sandra! Chérie. Qui sont ces gens? C'est le commissaire Valence. Bonjour, madame. Tu as prévenu la police, mais je t'avais dit pour... Oui, ton... maman, je lui ai tout raconté. Ne vous inquiétez pas, madame. Je suis là pour vous aider, croyez-moi. Parlez-moi de ce coup de fil, s'il vous plaît. C'était il y a 2 heures environ. Ils m'ont dit qu'il tenait Laurent, que si je voulais le revoir vivant, il fallait que je dise à Sandra de ne pas témoigner, et puis... Attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire de témoignage? Elle a assisté à une scène qui met en cause un criminel très dangereux. Elle doit être confrontée à lui prochainement, et évidemment, il souhaite que cette confrontation n'ait pas lieu, donc il a pris votre enfant en otage pour ça. T'as qu'à pas témoigner, qu'est-ce qu'on a à foutre de tout ça? Tu allais leur dire à ces salauds que tu vas pas témoigner. Vous allez leur dire, vous, hein? Moi, je veux qu'ils libèrent mon fils, moi. C'est, monsieur, c'est pas si simple que ça, malheureusement. Quoi? Qu'est-ce qui est pas aussi simple? Je te préviens, toi. Si on fait du mal à mon fils, t'auras affaire à moi. Je vous en prie, monsieur, c'est pas le moment. Vraiment. Enfin, Sandra. Sandra, qu'est-ce que tu as vu de si terrible pour qu'on veuille te tuer? Et pourquoi est-ce que tu n'en as pas parlé? Je voulais pas t'inquiéter avec tout ça. M'inquiéter? Mais enfin, mais c'est ridicule. Elle a bien fait de nous en parler, je vous garantis. Dites-moi, à quelle heure il sort de l'école, votre enfant? À 16 heures. Et personne ne va le chercher? Non, il rentre tout seul avec son copain Alexis, qui habite en dessous. Et vous avez pensé lui demander ce qui s'était passé? Non, j'ai pas bougé, j'ai juste appelé Sandra et... Comment s'appelle-t-il? Alexis Maupuy. Et il est en dessous? Oui, à l'étage du dessous. Tu vas le chercher. Commissaire, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je vous demande de me faire confiance. Je vous garantis qu'on va mettre toute notre énergie pour sauver votre enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as pas pu attendre Laurent? J'ai attendu, mais il est parti avec la dame. Avec la dame?
Et... Tu la connais, cette dame? Non. Tu l'avais jamais vue? Non. Et cette dame, elle était comment? Elle était à pied? Non, non, elle était en voiture. Même si c'était une BM, noire. Une BM? Ouais. T'aimes ça, les voitures? Ouais. Tu sais ce que tu veux plus tard? Ouais, une BM. Surtout une BM, c'est bien. Bien mieux. Et elle avait quel âge, cette dame? Je sais pas. Ta maman, elle a quel âge? 35 ans. Et elle était plus âgée ou moins âgée, cette dame? Plus âgée, quand même. Bon, bah écoute, je te remercie, t'es très gentil. Je te tiens au courant. D'accord, merci. Merci. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah alors, il me confirme. Votre enfant a bien été enlevé par une femme. Il situe son âge à 45 ans, enfin plus âgé que sa mère. Elle avait une BMW noire. Ça vous dit rien? Vous connaissez pas? Vous n'avez jamais remarqué dans le coin? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vite, allongez-la, vite. Voilà. Ça va aller. Un médecin dans le coin? Ouais, il y a un cabinet, il m'a d'à côté. Ça va aller. Alors? Bah, apparemment, c'est pas très grave. Elle a fait une chute de tension. Je l'envoie à l'hôpital pour quelques examens complémentaires. Tu l'accompagnes. Bon, tu viens avec moi, on va à l'hôpital. D'accord. Toi, je préférerais que tu restes en planque un peu quelques heures. Ouais. Hein? Tu surveilles. Allez. Tchou. T'es à l'hôpital. T'as perdu connaissance chez tes parents. On va juste te faire passer quelques examens, et puis ça va aller. T'inquiète pas. Agnès, on a une prise de sang. Tu viens la chercher? Je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Prête-moi ton portable. Écoute, tu vas d'abord passer tes examens, puis on verra après, ok? Allez. Allez, ma petite dame. On y va? Oui, c'est Aline. Sandra Solano vient de rentrer en salle d'examen. Et elle m'a demandé de lui prêter mon portable. Je fais quoi? Oh, bah bien sûr, tu lui donnes. Oui, elle t'a dit pour appeler qui, non? Alors tu la mets sur écoute, hein? Ok, merci. Oui, Aline Spack. Est-ce que tu peux me mettre tout de suite sur écoute le 06 11 30 43 15? Ok, merci. Voilà, on va l'emmener dans sa chambre. Le médecin passera la voir dans la soirée. Je vais m'en occuper, si vous voulez. Les ascenseurs sont en sortant à gauche. Ok, merci. Voilà. Bon, écoute, je te le prête. Mais alors surtout pas un mot à Valence, sinon ça fera un drame. Maman, c'est moi. Sandra? T'inquiète pas pour Laurent. Je vais faire ce qu'il faut. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je t'aime, maman.
Allô? C'est Sandra. Pardon? Sandra Solano. Je vous appelle au sujet de mon petit frère, Laurent. Excusez-moi, mademoiselle, je crois que vous devez faire erreur. Dites à ceux qui ont fait ça. Qu'ils ne lui fassent pas de mal. Je ne témoignerai pas. Dites-leur, s'il vous plaît. Sandra ne témoignera pas. Alors, est-ce que ça va? Ça va, ça va. Vous êtes sûr? Si, si, les résultats sont bons. J'attends le médecin. Je vais sortir bientôt. J'espère. Allez, dites-moi ce qui va pas. Je veux plus témoigner. Pourquoi? C'est mon petit frère. C'est trop dangereux. Mais qu'est-ce qui a changé? Rien ne vous dit que vous sauverez votre petit frère en ne témoignant pas. Je sais pas si je le récupérerai vivant en témoignant pas. Mais je suis sûre de le retrouver mort si je témoigne. On a quelques heures devant nous encore. On va se battre pour le récupérer. Vous avez ma parole. Si vous le sauvez, vous pouvez compter sur moi. Je m'en fiche de me mettre en danger. Je témoignerai. Ce qui compte, c'est lui. Votre vie, elle sera pas en danger. Faut garder espoir. Allez, courage. Ah, salut, commissaire. On a reçu le fax concernant Sarah Chebias. Ah, fais sa photo? Oui. Bon, eh bien, on va lui rendre une petite visite. Mais vous pensez qu'il y a un lien entre Sarah Chebias et le kidnapping de l'enfant, commissaire? Elle habite juste au-dessus de la boîte de Koska, ça m'étonnerait qu'elle sache rien. En tout cas, on va s'en assurer. Donc, tu restes en surveillance ici, mon ami. Ok. Oui, madame Solano, c'est Valence. Bon, je peux vous rassurer, hein, j'ai les résultats des examens. Comme le pensait le médecin, il n'y a rien de grave. Vraiment, vous pouvez être tranquille. Enfin, à ce sujet-là au moins. Je vous remercie, commissaire. Quand est-ce que je peux la voir? Oh, je pense que vous pourrez la voir sans problème dès demain. D'accord, je vous remercie beaucoup. Au revoir. C'était le commissaire. Oui, j'ai entendu. Sandra va mieux. Elle sort demain. Tiens, je crois que c'est elle. Oui, c'est elle. On y va. Non, attendez. On verra bien où ça nous mène. Tiens, relève le numéro et appelle Martine. Demande-lui à qui appartient cette voiture. Martine pour Franck. Martine. Ouais, c'est pour un relevé de plaque d'immatriculation. Alors, 710, Nicolas, Denis, Katia, 75. Voilà. La suis, hein, vas-y. La perds pas, hein. Hein, tu me tiens au courant. T'es discret, hein. Elle s'est assise à côté d'un homme qui l'attendait. Il est brun, la quarantaine. Une veste en cuir noir. Tu le connais, non? Tu l'as déjà vu? Non. Bon, j'arrive. Merde.
commissaire, c'est Vecchioni. C'est pas vrai. Bon, on va se mettre en planque un peu plus loin. Attention, commissaire, il s'en va. Bon, tu le suis, tu le lâches pas, hein. Sois prudent, c'est un flic. Un flic? Bah oui, il connaît un peu nos techniques, hein. Donc sois discret. Bon, moi je m'occupe de la fille, on te relaie. Commissaire, ça y est, elle s'en va. Elle va à sa voiture. Allez, viens, on y va. Où elle était, la voiture? Là, je crois. Elle était là ou là? Bah là. Enfin, je rêve, là. Mais, ma parole, mais regarde-le, là-bas. Hé, hey, oh, mais... Hey. Mais même les flics, maintenant! Désolé, commissaire, je l'ai perdu. Mais comment ça? Bah, il a filé entre deux couloirs de métro et j'ai perdu sa trace. Bah, c'est la journée, je l'ai perdu aussi. Allez, on rentre. Et comment? En métro, comme tout le monde. Sandra Solano ira à la confrontation demain matin. Je veux que vous rejoigniez le commissaire Valence à l'hôpital. Je veux que vous et votre groupe fassiez partie de l'escorte. Vous me rendrez compte personnellement. C'est entendu? Entendu, madame la procureure. À demain. Ouais, c'est Christian. J'ai du nouveau. Je sais où elle est. Tu fais savoir à Cosca que je m'en occupe. Dès ce soir. Pour le reste, on change rien. Je te rappelle une fois que c'est fait. Bon, maintenant qu'on est fixé, on l'interpelle. Vous savez, Vecchioni, c'est un flic. On va pas l'avoir avec des écoutes illégales, hein. Il connaît la musique. Non, je crois qu'il faut lui tendre un piège et qu'on l'attrape à l'hôpital. Il est en train de mettre le bordel là, qu'est-ce que je fais? Tu fous le camp. Laisse-lui le champ libre.
casse. J'ai plus rien à perdre, alors casse-toi. Tu es mon père, hein, espèce d'ordure. Tu vas payer pour tout ce que t'as fait. Bonjour, madame. Commissaire. Ça va, Sandra? Vous savez que vous avez failli être assassinée? Oui. Votre collègue m'a tout raconté. Alors, voyez qu'on vous protège. Ne me demandez pas de témoigner. Je veux pas insister, je partage pas votre position, mais je la respecte. Il me reste peu de temps pour retrouver votre frère. Vous pouvez rien me cacher maintenant. Faut absolument tout me dire. Ma chérie, faut rien cacher au commissaire. Écoute, si tu sais quelque chose, je t'en prie, dis-lui. Écoute, Sandra, il faut que tu nous dises tout ce que tu sais. Le moindre détail a son importance. Ces types sont des salauds, ils sont capables de tout. Il faut que tu nous en parles, tu peux pas les protéger. Quand tu m'as prêté ton portable, j'ai appelé Sarah Chebias. Mais c'est tout. Je sais rien d'autre. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Je pensais qu'elle saurait quelque chose. Ça a été la maîtresse de Koskas, c'est la maîtresse de Koskas depuis des années. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Rien. Elle a fait celle qui n'était pas au courant, mais je suis sûre qu'elle sait quelque chose. Et Vekioni, ça vous dit quelque chose? Non. Vous avez jamais entendu parler? Bon, enfin, il nous reste peu de temps. Mais suffisamment pour qu'on trouve ce gamin. Croyez-moi, on va tout faire pour ça. Allez, gardez courage. Je suis désolée. Oui, Sarah Chebias n'est pas chez elle. Et sa voiture n'est pas là non plus. Vous restez en planque et vous me prévenez dès que vous la voyez. Ok. Faut qu'on planque là. Quoi? Mais il est 4h du mat. Eh oui, ma lolo. C'est ça, la vie d'artiste. Dis-moi ce que t'as fait de l'enfant. Je suis célibataire, j'ai pas d'enfant. Écoute-moi, j'ai de l'humour d'habitude, tu vois. Mais quand il s'agit d'un môme, je sais pas rire. T'as compris? Sarah Chebias, elle est où? Je connais pas. Écoute, on t'a vu avec, arrête un peu maintenant. Je me rappelle pas. Tu veux arrêter de nous prendre pour des cons, là? Tu sais que t'as ton téléphone qui est en train de tout nous raconter. Quel téléphone? Celui qu'on a trouvé sur toi. Ah, j'ai jamais eu de téléphone portable. Tu me connais. Fais le malin. Je peux te garantir que tu vas en chier. Et t'es pas prêt de sortir d'ici. Je te le dis, moi. Allez, embarque-le. Je veux voir mon avocat. Lève-toi. Alors, où t'en es avec ce téléphone? Ne quittez pas. Je suis avec l'opérateur, là, au bout du fil. Je suis en train de débloquer le portable de Vecchione. Pourquoi tu l'avais bloqué? Bah, j'ai essayé et deux, trois fois, j'ai bloqué la carte SIM. Tu te dépêches parce qu'il nous reste 4 heures avant la confrontation. Vecchione est au frais, ça y est. Et passe-moi ce que tu viens de voir. Plus loin. T'as vu? Non. Repasse-moi la même séquence au ralenti. T'as vu? Voilà. T'as vu? Bah non, j'ai rien vu. Allez, viens, je vais te faire un dessin. Très bien. Je vous remercie. Au revoir. Ça va, ça fonctionne. Okay. Franck, tu prends celle-là et tu vas chez Sarah Chebias.
Ah, bonjour, commissaire. Bonjour. Bonjour. Vous avez du nouveau ou... J'ai du nouveau, oui. Chérie, je te présente le commissaire Valence. Tu sais, c'est celui qui enquête sur la mort de cette pauvre jeune femme. Très heureux. Enchanté. Bonjour, madame. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Vous avez un lecteur de DVD? Oui. Bon, parce que j'ai des choses à vous montrer. Eh bien, suivez-moi. Merci. Vous voulez vous asseoir? Non, je vous remercie, c'est gentil. Merci. Asseyez-vous. Voilà. Regardez bien, vous allez voir, c'est intéressant. C'est de leur faute, mon frère! Regardez, vous avez vu, vous arrêtez de parler. Hein? Vous avez vu? Vous parlez plus. Qu'est-ce que vous regardez, là? Bah, je regarde un peu ce qui se passe. Non, vous regardez un mec, celui-là, là. Il s'appelle Vecchioli. Vous connaissez pas? Vous n'avez jamais vu? Non, je connais pas. Je connais regardez, pas. C'est plus intéressant ce qui vient. Vous voyez, on arrive au meurtre. Stop. Vous voyez, vous regardez déjà là où il va y avoir le meurtre. Je comprends pas. Vous comprenez pas? C'est-à-dire que vous avez tellement le sens de l'anticipation que vous savez déjà qu'il va y avoir un meurtre là où il y a eu lieu. Je comprends pas ce que vous dites. Vraiment. Vous comprenez pas? Non. Ça veut dire que vous saviez? Mais non, je savais pas. Vous foutez moi? Comment vous voulez? Vous voyez pas les images, non? Qu'est-ce qui se passe? De toute façon, vous avez ou pas, je m'en fous. Vecchioli a tout dit. Vous étiez Coscas, vous et la petite Karine Lefebvre, le jour de sa disparition. Qu'est-ce que tu as fait? Chérie, je te jure, jamais j'aurais cru qu'il allait la tuer, je te jure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'étais avec Coscas, avec elle, en fait, le fameux soir. Elle a fait une overdose. Et moi, tout de suite, j'ai voulu prévenir la police. Et Coscas m'a dit que si jamais je faisais ça, je pouvais dire au revoir à ma carrière. Donc, il a appelé Vecchioli, puis ils sont débarrassés du corps et... Le chantage a commencé, quoi. Le chantage? Mais quel chantage? Bah, Coscas m'a prêté de l'argent pour que je rembourse mes dettes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dette? Chérie, mais les dettes, c'est l'appart. Les dettes, c'est les vacances. Les dettes, c'est la voiture. C'est tout ça. Je sais très bien que j'ai eu des... Mes goûts sont au-dessus de mes moyens. Mais ça explique pas un chantage, ça. Pour rembourser Coscas... Il a fallu que je pique dans la caisse. J'ai piqué dans la caisse de mon mouvement. Mais tu vois où ça nous mène, de jouer les flambeurs? Et pourquoi t'es pas venu raconter tout ça à la police? J'ai pensé, commissaire, j'ai pensé plein de fois, mais j'étais dans la spirale du mensonge. Je pouvais rien faire. Je vous jure, je pouvais rien faire. Et pourquoi elle a décidé de tuer la petite le soir du meeting? Elle m'avait vu à la télé, elle m'avait reconnu, elle m'a appelé, elle m'a dit qu'elle allait profiter du meeting pour tout balancer devant les télés. Voilà, donc, moi, j'ai appelé Vecchioli, je pensais qu'il allait régler le problème. Eh ben, il l'a réglé. Mais jamais, jamais j'aurais pensé qu'il allait la tuer. Jamais, jamais. Allez, on marque. Commissaire, jamais j'aurais... Maman, qu'est-ce qui se passe? C'est qui tous ces gens? Non, c'est rien, mon grand. Ton papa est très fatigué, on va s'occuper de lui. Allez, viens, mon chéri, viens. Bon, allez. Et Godard? Godard. C'est Vecchioli qui l'a tué. Le restaurateur de la rue d'Artois fait pas l'innocent. Oh, écoutez, il m'avait vu en compagnie de Coscas et lui aussi, il voulait me faire chanter, voilà. Ouais, c'est Vecchioli qui l'a tué. Oh, j'en sais rien. J'en ai marre, là, ça fait un an que je dors plus. Foutez-moi la paix. S'il vous plaît, laissez-moi dire au revoir à ma femme, hein, s'il vous plaît. Tiens, fais venir sa femme. Elle dit qu'elle a plus rien à vous dire. Allô, c'est Sarah. Tu devais me rappeler, qu'est-ce qui se passe? Allô? 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 Oui. Ok, très bien, merci. Commissaire, je viens d'avoir le centre d'écoute.
Il y a eu un appel très important sur le portable de Vecchioni qu'on a débloqué. De qui? Sarah Chebias. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle avait l'air inquiète, elle comprenait pas pourquoi il rappelait pas. On a identifié le numéro d'appel? Oui, un poste fixe à Saint-Mandé, rue Gallieni. Eh ben c'est bon, elle est cuite. Oui, c'est Franck. Bon, on descend de l'appartement, mais il y a personne. Qu'est-ce qu'on fait? Non, vous laissez tomber, je sais où aller maintenant. Tiens, Bart, appelle la proc. Demande-lui si on peut retarder la confrontation. Ok. Oui, allô? Bonjour, pourrais-je parler à madame le procureur? Merci. Oui, allô, c'est l'adjoint du commissaire Valence. Il vous demande si c'est possible de retarder la confrontation de quelques heures. Merci, très bien. Madame le procureur, que me vaut le plaisir? Il faut absolument repousser la confrontation, Sylvain. Ah, pour quelle raison? Je ne peux pas vous le dire officiellement, il faut que vous me fassiez confiance. Désolé, je ne peux pas. Pascal est déjà en route. Je suis bientôt hors délai. Et si je ne lui notifie pas le prolongement de son mandat de dépôt ce matin, son avocat pourra obtenir la libération. Vous pouvez pas trouver quelque chose? Je vais voir. Merci. Il va faire ce qu'il peut, mais il a une heure limite pour notifier la prolongation du mandat. Oui, c'est quelle heure la limite? 11h. On y sera. Regarde, c'est pas elle la voiture qui sort là? Si. Putain, mais c'est elle. Ça se trouve, elle a le gosse avec elle. Sortez! Sortez! Non, pas qu'est-ce qui se passe? Quel gosse? Où il est le gosse? Mais quel gosse? Tu baisses un ton! Je sais pas, je. Où il est? Allez, emmène. Non. Où il est? Il est là-bas. Allez, emmène-nous. Alors, où il est? Dans la cave. Y a personne là-dedans? Non, personne. On va voir. Allez, emmenez-nous. C'est là. Fermez. Bah, ouvrez. J'ai pas la clé. Et où elle est? Dans la voiture. Toi. Viens, mon garçon. Viens. Allez, c'est fini. Tranquille. Hein? Allez, viens, viens. Allez, viens. Allez. Mademoiselle Solano, s'il vous plaît. Bonjour, mademoiselle Solano. Prenez place, je vous prie.
Permettez-moi de vous dire, monsieur le juge, que ce contretemps est fâcheux. Vous savez que si mademoiselle Solano n'a pas déposé dans moins d'un quart d'heure, moi je devrais saisir la chambre d'accusation. Je sais, maître, je sais. Alors, Geneviève, c'est extraordinaire, ça. On envoie une sonde sur Jupiter et vous n'êtes pas fichu de réparer votre ordinateur. Je ne comprends pas, monsieur le juge, je suis vraiment désolée. Commissaire, que signifie cette intrusion? Pardonnez-moi, monsieur le juge. Je vous présente Laurent Solano. Il avait très envie de souhaiter bonne chance à sa sœur. Ça y est, monsieur le juge, je crois que c'est réparé. Allez, mon bonhomme, on y va. Je suis prête, monsieur le juge. C'est un plaisir que vous soyez venu. Ben, c'est la moindre des choses. C'est dur. Ben oui. C'est comme s'il mourait une deuxième fois. Mais il va retrouver ma mère. Ils s'adoraient tous les deux. Bon, maintenant il faut penser à toi. Hein? D'abord, tu feras un très bon flic. T'as hérité de ton père qui était un sérieux commissaire. T'as toutes ses qualités. C'est gentil. Mais si ça te fait plaisir, tu réintègres mon équipe quand tu veux, il y a une place pour toi. Vous êtes sérieux? Je suis très sérieux. Camille. J'ai l'air en retard. Non, ça va, il n'est pas encore l'heure, t'as le temps. Ton père, il va venir à la distribution des prix? Je sais pas encore, ça avec lui, on sait jamais. Ah bon, pourquoi? À cause de son boulot, il est flic. Ah, il est flic? Ouais, enfin non, il est commissaire, c'est un grand commissaire, mon père. J'en doute pas une seconde. Et aussi, c'est un papa génial, il s'occupe tout seul de moi depuis que j'ai 4 ans, donc il gère. Et vous, vous êtes mariée? J'ai failli me marier, il y a une dizaine d'années, mais bon. Ça n'a pas marché? Non. Comme je l'ai déjà dit, la promotion de cette année a été tellement brillante que nous aurions voulu décerner davantage de prix. Mais que celles et ceux qui ne sont pas récompensés ce soir n'oublient pas que le théâtre est un partage. Sans plus attendre, le prix d'excellence est attribué à Gérard Daoudal. Le premier prix de comédie est attribué à Camille Valence. Bravo. C'est ma fille. Et je suis fier. Ça va, là? Je suis fier, vraiment. Je pense que ta mère s'en fiera aussi, tu sais. Mais j'espère. Bravo. Félicitations, Camille. Et merci beaucoup, hein. Vraiment. Bonsoir. Elle est douée, hein? Ah oui. Je vous l'avais dit. Mais ça fait longtemps que je m'en ai aperçue. Ouais. Vous avez des comédiens dans la famille? Ah non, pas du tout. En tout cas, pas que je sache. Mais dans mon métier, il n'y a pas beaucoup d'occasions d'être comédien. Enfin, à la retraite, peut-être, je me reconvertirai, qui sait. Ben, je pourrais peut-être vous donner des cours. Camille, vous écoutez ça? Oui, j'arrive. Bon, je vous laisse. Bonne santé. Hé, pas de bêtises.